Mais... Nous sommes de retour. Et on doit trouver un foot camp pour les compétences. Et... bah, il y en a un juste là. Avec des tuit tuit. Bah, je crois. Oh. Ça j'aime pas trop. Ah, c'est la fameuse cochon sauvage. Ça pourra servir. Tu crois? Ok. Ok, ça j'aime pas trop. Pourquoi? Je vais garder ça pour plus tard. Je crois pas, non. Arrête de crier, il y a quelque chose qui me suit. Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. Je dois faire un feu de camp, oui. Ah oui, il y avait moins de monde, c'est par là. Waouh. C'est là-bas. Je me rapproche. Ça, c'est Miguel. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. C'est peut-être Trinity. Jesus Christ. Ouais, t'es là, je pars. Waouh. Oui. Bonjour les deux. Des singes hurleurs. Elle est tout contente, elle. Elle est fière. Oh oh oh, c'est joué. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Eh oh! Jonah? Miguel? Vous m'entendez? Vous êtes où? Ok, on a trouvé le feu. Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. Mm-hmm. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Mm-hmm. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. Ok, voilà, après avoir chipoté avec mes compétences... On va continuer. L'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. Il y a peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris. Ok. Je sais qu'il y avait quelque chose ici au-dessus. Pas une plume. Bon, on va à la recherche. Ils sont où les débris? Oh là. Oupsie. Oh. Quelque chose qui va venir me bouffer ici aussi? Non. Moi, je serais déjà morte avec toutes mes maladies possibles, imaginables dans ce partie de l'Amazon. Ah, 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 il y a quelque chose là. Je crois que j'ai vu quelque chose là. Ah non. C'est une algue. Ok, bon. On continue avec l'histoire. Oui. Peut-être
mettre un bout de métal de l'épave. Ok, ça fait mal. Ah bah, il ne sert plus à rien. C'est pas vrai. Really, Lara? Oh, come on. Il n'y en avait pas tantôt. Je peux pas récolter sa peau, non. Je suis désolé, mais tantôt il y en avait pas. Bon, mais c'est une aussi. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. Découper un cadavre, mais ça c'est pas trop. J'ai une corde. Avant, really. Ok, bon, ça c'est fait. Je viens de passer 15 minutes à essayer de chercher un moyen de trancher ce blippin de truc et de me prouter d'un truc qui aurait été. Il fallait que j'aille au feu de camp. Ça c'est fait. Ça devrait être assez coupant. Tu crois? Et on ne dit rien. Le conteneur est encore retenu par un truc. Oui, j'essaye. J'ai trouvé tantôt. Allez, hop. Quand même, ils sont bien plantés, hein. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Plouf. J'ai fait tout ça pour rien. Elle aura son couteau dans le sac. Ah non, même pas. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit? Parce qu'elle était une femme et on fait jamais ça. On pouvait pas avoir de flèche avec. Quelqu'un me reçoit? Allô? Miguel, où tu es? Merde. Ok, là j'ai un cold et voilà. Ok, bon. T'as pas intérêt de voir le vertige. Allez, va. Oh, ça je prends. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Moi non plus. Miguel, où tu es? C'est pas lui. Oh non. C'est pas lui. Pour moi, c'est pas lui. Miguel? Miguel? Et un cadavre. Là, il y a des notes. Un monstre. Dans le dernier, c'était pas un ours? Leur fameuse monstre. Il y a de quoi, un puma? Miguel? Tigre? Oh. 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 Il est grave. Bah, il est tombé dans le nid d'un prédateur, c'est tout. C'est pas Miguel.
Pour moi, c'est un autre. J'avais dit que c'était pas Miguel. Oh oh. Waouh. Ah ouais, les singes sont là sans problème, hein. Ça j'aime bien. Qui serait complètement faux. Oh, t'es beau, toi. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas grave. Oh, y'a un deuxième. Ah non, hein. Ok, ici je vais mourir. Oh non, merde. Je pense à plaquer combien, hein. Moi je bouge pas, je fais mes flèches. 25. Eh ouais, j'ai tué ton pote. Non, c'est vrai. Et si on court? Ok. C'est bien ça. Ah, un deuxième. Oh, Philly. Ça fonctionne. J'ai esquivé son attaque. Hey. J'entends. Dans la bouche. Et j'esquive ses attaques, hein. Ah ouais, pour les gens qui n'aiment pas, on peut le passer. D'accord, ça c'est pas mal ça. Il y a un deuxième. Bah oui. Alien versus Alien 3 ici. Hein? J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Rien à voir avec la boue, je crois. C'est le fait qu'elle a réussi à tuer l'autre.
Bah, alors s'il y a des trucs à ramasser quand même. Intense. Intense. C'était chouette, franchement, j'aimais bien. Bah pourtant, j'esquivais ces trucs, hein. Et j'ai l'impression que ça fonctionnait pas de masse, quoi. On a envie de faire quelques flèches. Ça, je pense que c'est des trucs de quoi ils sortaient, là. Après ce que j'ai vu, il m'avait fait un peu. Si. Non. Voilà. Et les singes sont partis. Hein. De salis ces singes. En espérant que je l'ai pas tout de suite, qu'ils vont entendre un peu pour le deuxième. C'est un bout de l'avion. Jonah. Mais arrêtez de crier. Elle est folle. On se lave un peu. Chpush. Oui, ça je sais. Je l'ai découverte. Haha. Kim. L'avion. Jonah, c'est là, Jonah. J'ai cru que t'étais mort. Hey, tu sais où est passé Miguel? Il n'a pas survécu. Yam. Oh, il se casse. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Assieds-toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie ? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Et moi, je vous dis... Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Bisous, à tout de suite.